semblerait à Altès que nous ayons été joués. En êtes-vous certain ? Le président du Parlement me l'a malheureusement confirmé à l'instant, Altès. Je ne peux le croire. Hier encore, le Parlement soutenait mon mari. Que se passe-t-il ? Il y a eu un accord entre le Parlement et le duc d'Orléans. Un accord ? Oui, pour casser le testament de Louis XIV. Suivez-moi. Je ne vous laisserai pas me priver de mes droits. Ces droits, vous les avez extorqués à un vieillard mourant. De quelle misérable corruption avez-vous usé pour que le Parlement ose récuser la volonté de mon père, Louis XIV? Cessez de revendiquer à tout propos cette filiation, mon cousin. Vous n'êtes après tout qu'un bâtard. Légitime, il est vrai. Seul un prince du sang peut prétendre à la régence. Il n'y en a qu'un ici. Et c'est moi. Un régiment des gardes françaises prend position autour du Parlement. Il semblerait, monsieur, que les troupes du roi s'opposent à votre forfaiture. La maison du roi est à vos ordres, monseigneur. Je vous remercie, monsieur. Bien, je pense que l'affaire est entendue. Madame, au plaisir de vous revoir, mon cousin.